Les amis, c'est Anthos et Océan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, la première vidéo sur Clash Royale de la chaîne. Donc, comme vous pouvez le voir, je joue à Clash Royale, je n'avais pas fait encore de vidéo dessus, parce que il ne m'était pas venu à l'idée d'en faire, les archers. Attendez, là je fais juste mes dons. Ouais. Ouais, non, je joue toutes les autres cartes. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a dans le shop? On a le prince. On va faire un petit chest opening. Attention, peut-être une épique. Allez, non. 14 gargouilles. Alors, on tente d'avoir le molosse. Peut-être, attention, 5. Oh là là, quelle carte fantastique. Encore une autre. Oh là là, la Tesla qui est la meilleure carte du jeu. Et l'épisquelette qui est une légendaire très très rare. Voilà, donc en fait on n'a rien eu du tout. On va demander de la roquette. J'ai fait mon clic. Bon, c'est pas grave, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va super les gars. On se retrouve aujourd'hui pour pour vous présenter mon deck. Donc on va faire des petits combats. Voilà, j'ai plein d'autres decks, mais je joue ce deck principalement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce deck? On a les barbares, la mousquetaire, les gobelins à lance, les archers, les fléchettes, le géant, les gargouilles, la horde de gargouilles, et bien sûr aussi nous. Nous avons les petites gargouilles, les trois petites gargouilles qui coûtent 3. Donc du coup voilà, donc du coup on est parti en game. On va essayer de prendre le coffre à couronne. Donc du coup c'est parti. On attend. Ok, un niveau 7. Donc du coup, on va attendre qu'il joue. Ok. Il me met un géant. Moi, par contre, j'ai deux sorts de gargouilles. Donc, du coup, ça. On va se débarrasser des archers. On va garder les barbares. Ouais, d'accord. Lui, il est déter, les gars. Ok. Faut pas que ça passe. Ça passe pas. Ouf. C'est presque passé. On est mal. Très mal. Ok, parfait. Il m'a pris une tour. Donc on va mettre 9-1. Là, on va se mettre, mais à fond, en élixir. Ok, je mets mes petits archers pour débloquer les gargouilles, aller chercher. Ah non, mais lui, là, son géant, il va pas faire long feu. Allez, c'est bon, les gars, on est parti. Les petits archers, allez, les petits archers, faut qu'ils passent le taf. Oui, ils ont vraiment fait le taf là, les archers. Allez. Oui, ben nous aussi, les gars, on prend la tour, hein. Nous, on est comme ça. Ok, là, je n'ai mes troupes. Du coup, ces petits spires gobelins là, qu'il a mis en défense, que je viens de tuer. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va. On va mettre un géant là. La mousquetaire derrière. Les petites gargouilles. Les archers. On va faire une grosse, grosse offensive là, les gars. Allez, faut que ça passe, hein. Allez, attention, attention. Oh oui. Ah, ma mousquetaire n'est pas assez élevée en niveau. Ça va, lui, ce bédragon. Il va être facile à gérer. Hop là, on met la petite horde de gargouille. Nous, on met notre géant.
Fais voir, on va aller défendre son géant. Ok, on va passer en overtime. Ok, allez le géant. Oui, là, les barbares, ça passe. Oui. Bien joué. Bon, les gars. Ça fait un 3-1. On perdait. On a bien remonté. On récupère un coffre. On peut améliorer une carte, mais pour l'instant, on ne va rien améliorer du tout, puisque la prochaine carte que je vais améliorer, ça, je pense que ça va être les barbares. Oui, ne t'inquiète pas, on s'en fout de notre coffre. Nous, ce qu'on veut, c'est le coffre à couronne, parce qu'il a vraiment été EP, mais à fond. Donc, du coup, l'espoir d'avoir une épique. Donc, du coup, le géant... on va le mettre de ce côté où il a lancé sa sorcière. Oh là, j'ai vraiment merdé, les gars. J'ai fait tellement de la merde. Ah ouais, j'ai fait trop de la merde, là. Là, en ce début de game, les gars, ça part mal. Oh, je joue tellement mal. Mince, le géant, il s'est pas posé. Voilà, moi qui voulais fléchette, les gobelins lance, c'est totalement raté. Bon, bah, on va mettre les petites gargouilles à 3 hein, pour aller détruire son assaut. Ah, je suis vraiment dégoûté, je suis vraiment merdé. J'attends sa sortie. Ok. Ce cochon est géré. Sa sorcière est gérée. Ok les gars, là on lance un gros qui vient de fail. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, là, bien joué. Bon, vous savez quoi, ça fait 8 minutes que je tourne. Je vais pas vous embêter à refaire une game, puisque je peux pas poster des vidéos de plus de 15 minutes. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ellipse. Et je vous retrouve après pour ouvrir notre coffre. Donc, du coup, les gars, je vous dis à tout de suite. Hey, 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 les gars! Donc, voilà, on se retrouve à la prime. Je viens de gagner 3-1. Et donc, du coup... C'est pour ouvrir notre coffre. Donc du coup, juste avant de l'ouvrir, on va faire un petit bilan. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc on a 40 cartes et 4 rares. Donc du coup, ça fait normalement... Ben... Non. 46... Non. 36 communes. Ok, on commence avec 334 d'or. Deux petites gemmes. Ok, un bombardier. 13. Hors de gargouille, 22. Ah, et attention, pour la rare, ça sera 4 mousquetaires, les gars. On l'améliore direct. Voilà, bon, on a la meilleure 4. Déjà, c'est bien. Ouais, j'ai quand même pas mal de cartes à améliorer. Mais toutes ces cartes, je ne les joue pas.
Donc du coup, oh, non, 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 on va pas faire le deuxième coffre à couronne, sinon moi, ça va me prendre trop de temps, les gars. Bon ben du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Donc prenez mon deck, il est très très fort pour en arène 4. Donc du coup, je vais juste vous montrer mon journal. Donc voyez, voilà, je fais pas mal de victoires, 3-0. Là, j'ai fait un 1-1, 1-1, 1-0. J'ai perdu 1-0, 1-0. Là, j'ai perdu 3-1. Là, j'étais avec mon ancien deck. Là, j'étais avec un de mes anciens decks. J'ai commencé à jouer avec ce deck. Voilà. Vous voyez, déjà, là, je commence. 1-0, là, 1-1. Là, 1-1. 3-0, 3-1, là je perds 1-0. Et 3-1 encore je gagne. Donc du coup, voilà, vous voyez quand même, il était à 1224. Moi je suis à 1972. Il a bien joué en face. Là bon, j'ai géré. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. C'était Anto COC. Ciao ciao.